Alors ici j'ai deux rectangles roses qui sont exactement les mêmes, hein. ce sont deux rectangles exactement identiques. Là je vais mesurer l'encombrement qu'ils prennent sur l'écran, la place qu'ils prennent sur l'écran, c'est-à-dire que je vais mesurer leur aire. Alors évidemment euh, comme ce sont exactement les deux mêmes rectangles, ils vont avoir exactement la même aire tous les deux. Mais là je vais la mesurer avec des unités différentes. Par exemple je vais commencer par la mesurer avec ce, rectangle, ce carré unité qui est ici en bleu, là je suis en bleu, et celui-ci bon je peux par exemple dire que a priori, ça, le côté, c'est 1 cm. La hauteur, c'est 1 cm. Et le, la largeur aussi, c'est 1 cm. Donc, ça, c'est un carré de 1 cm de côté. 1 cm x 1 cm. Donc, ça correspond, il a une aire de 1 cm. Donc, ça, je l'écris comme ça, mais en fait, c'est 1. Ça ne veut rien dire d'autre que ça. Hein, 1 cm. Voilà. Alors là, je vais commencer par mesurer ça. Avec, euh, avec ce carré, mesurer le rectangle rose avec ce carré unité. Alors, je vais copier ce carré unité ici. Voilà. Et puis là, je vais le coller. Voilà. Alors, il faut faire attention à bien coller ça pour que, sans, que, sans laisser d'espace et sans euh, que les carrés se chevauchent. 3. 4, bon, bon, faisons attention. 5. Et puis, 6. Voilà, là j'ai déjà une première ligne. Et puis, je vais continuer en les mettant au-dessus maintenant. 1, 2, 3, 4. 5 et 6 aussi pour la ligne du dessus. voilà Alors, maintenant je peux compter l'air de la surface, hein, l'air de ce, de ce rectangle. Ici, si je la mesure avec ce, ce carré unité-ci de 1 cm carré de 1 cm par 1 cm, je vais trouver que l'air, c'est... Alors je vais les compter. Hein. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est deux rangées de 6, donc c'est 12. Et c'est 12 cm2. 12 cm2. Là, je l'écris comme ça. Hein. Alors voilà, ça c'est mon, mon premier résultat. C'est l'air de ce rectangle rose si je la mesure avec cette unité-là. Alors maintenant, je vais, je vais euh, la mesurer avec l'autre unité. Je vais commencer par dire que par exemple ça cette unité là je vais appeler ça un furgle un furgle donc ici un gueule, ça sera à peu près 2 cm hein. on voit que c'est à peu près le double d'un cm donc c'est un furgle c'est à peu près de 2 cm ne va pas chercher ça sur internet parce que ça n'existe pas hein. j'ai juste euh, donné ce nom là pour la vidéo hein. c'est pour euh, pour travailler ici c'est tout donc là ce carré la largeur c'est un gueule aussi un furgueul aussi donc on peut dire que l'air de ce carré vert c'est un furgueul carré voilà un furgueul carré alors maintenant je vais mesurer cette, euh, la surface de ce rectangle avec mon carré unité de mon carré de, de furgueul alors je vais copier ce carré voilà. Et maintenant, je vais recouvrir mon rectangle avec ces carrés. Alors, j'en place un ici, un deuxième, et là, je peux en placer un troisième. Voilà. Alors là, du coup, j'ai recouvert mon rectangle, mon rectangle qui était le même que celui du dessus, je l'ai recouvert avec trois de ces carrés verts qui sont des furgueuls carrés. Alors du coup ici, là je vais pouvoir compter, je vais pouvoir faire la même chose que tout à l'heure, je vais mesurer l'air en termes de ces furgules carrés et je vais trouver que l'air, l'air ici, ben, je vais compter le nombre de, fur... de carrés verts que j'ai mis. Alors j'en ai un ici, deux et trois, donc j'ai trois, trois. Donc mon air dans ce deuxième cas, quand je la mesure avec les furgules carrés, avec ce, ce carré unité là, eh bien mon air c'est trois furgules. 3 carré. carrés. Voilà. Donc euh, j'ai mesuré l'aire de deux rectangles équivalents et j'ai trouvé la première fois en la mesurant avec ce petit carré de cent... qui, me... qui... qui a une aire de 1 cm, j'ai trouvé que son aire c'était 12 cm. Carré, et puis j'ai trouvé par une deuxième mesure que l'aire c'était 3 furgules carrés. Alors je t'encourage à essayer de... de trouver la relation entre 1 furgule carré et 1 cm. Voilà.